17h18 à Kolovré. Un dernier essai pour la Lituanie après une longue chevauchée. L'épilogue d'une belle journée rugby à Nyon aujourd'hui. Allez, journée qui avait commencé en fin de matinée avec 200 jeunes joueurs âgés de 8 à 12 ans réunis avec leurs parents autour de leur passion, le ballon ovale. Des rugbymen en herbe qui se sont ensuite déplacés sur le terrain principal pour supporter les équipes de Suisse. Moi, j'y vais regarder et ma mère, elle m'inscrit pour y aller marcher. Corentin et ses copains étaient en tribune à 13h pour le match de l'équipe de Suisse féminine opposée à la République tchèque. Pour voir notamment à l'œuvre Kim André Evans, joueuse en club à Nyon, la demi de mêlée évolue devant son public. Mais cet après-midi, Kim et ses coéquipières n'ont rien pu faire contre les Tchèques, battus 27-0. Les Suissesses totalement dominées par leur adversaire pour leur premier match international depuis 2 ans. Une large défaite, mais l'essentiel était ailleurs. Profiter de cette journée pour promouvoir le rugby féminin. De voir un public comme ça, c'est incroyable. On voit qu'il y a quand même de l'intérêt pour le rugby suisse. On est revenu sur le terrain avec les petits des écoles et il y avait quelques filles. Et c'est vraiment, ça fait du bien de voir ça. Et on espère qu'il y ait de plus en plus parce que c'est que comme ça qu'on va grandir. Continuer sa progression, c'est aussi l'objectif de l'équipe masculine, 29e nation mondiale. Son adversaire du jour, la Lituanie, n'a rien d'un foudre de guerre, mais la Suisse va payer son manque d'automatisme. Menée 21-6 à l'heure de jeu, elle réagit et emballe la fin de rencontre, revient à un point, mais ce sera insuffisant. On l'a vu, la Lituanie scelle le score en fin de rencontre, 28-20. Pas de quoi enlever le sourire des internationaux suisses qui ont profité de l'ambiance du jour. Ouais, c'est super de voir ça en Suisse. Moi, je connaissais pas trop non plus le monde qu'il allait avoir ici ou comment ça allait être. Mais franchement, agréablement surpris qu'il y ait du public, des enfants, les filles avant nous, du monde autour du terrain. C'est génial, on se croirait... Ouais, pour moi, c'est le paradis, on est super ici. Voilà, il manque que ça. Il manque ouais, franchement 3 détails pour repartir avec le sourire. Même si on l'a et on est content d'avoir joué et d'être ici aujourd'hui, ça aurait pu être mieux. La défaite, les jeunes rugbymen présents aujourd'hui ne leur en tiendront pas rigueur, à l'instar d'Océane, qui en a perdu sa voix. Est-ce qu'on a gueulé dans les, en haut pour encourager l'équipe suisse? Et toi, t'es une fille, tu fais du rugby, qu'est-ce que t'as envie de dire aux autres filles? Bah allez-y, parce que c'est trop bien. Bah merci beaucoup, parfait, je te remercie.